Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette œuvre est faite? C'est une fresque murale. On en trouve beaucoup à Montréal. On dit que Montréal est un musée à ciel ouvert parce que les arts de rue sont autorisés par la ville pour des événements. Cette fresque a été commandée pour rendre hommage aux artistes de jazz de Montréal. Mais où se trouve cette œuvre? Elle se trouve à Grifftown, un quartier de Montréal. C'est un quartier où ont grandi et vécu beaucoup de musiciens de jazz. Qui est la dame? C'est le portrait d'une dame qui s'appelle Daisy Peterson. Pourquoi elle fait du piano? Elle était pianiste et professeure. Elle a donné des cours à de grands artistes, mais aussi aux enfants défavorisés de son quartier. Comment l'artiste a fait? Le portrait de Daisy Peterson est très réaliste. L'artiste part toujours d'une photographie. Il y a des couleurs chaudes comme le jaune, l'ocre, le beige, mais aussi turquoise et noir. Le portrait est cerné en beige. On dirait qu'elle nous regarde, elle a l'air joyeuse. On voit aussi les partitions de piano avec une grande ligne blanche. Peut-être que c'est pour dire que la musique traverse le temps ou alors c'est un « et », le piano et elle. Quel est le nom de l'artiste qui a réalisé cette fresque? Il s'appelle Kevin Ledo. C'est un artiste montréalais reconnu.